Le ministre Barrette a décidé de fermer 162 lits à la résidence Notre-Dame-de-Lourdes. Ce n'est pas 162 lits, c'est 162 personnes qui seront transférées dans un autre édifice, dans un autre quartier. C'est de nos aînés dont il est question. C'est aussi des employés au CHSLD qui ne savent pas ce qui va leur arriver. Depuis des années, je réclame la fin des chambres à 5 personnes. Imaginez votre père, votre mère, dans une chambre qu'il doit partager avec 4 autres personnes. Ça n'a pas de bon sens. Le ministre Barrette a pris une décision à la veille des élections. C'est pas comme ça qu'on travaille dans Hochelaga-Maisonneuve. On travaille en partenariat. Il n'y a aucune solution pour le CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes. Il n'y a aucune solution de remplacement. Qu'est-ce qui va arriver avec cet édifice? Pourquoi pas transformer Notre-Dame-de-Lourdes en ressources intermédiaires? Dans Hochelaga, on n'en a pas de ressources intermédiaires et on en a besoin pour nos aînés. Moi, je m'engage que dans Hochelaga-Maisonneuve, on puisse transformer la résidence Notre-Dame-de-Lourdes en ressources intermédiaires parce que nos aînés ont le droit de vieillir dans la dignité dans Hochelaga-Maisonneuve.